Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle émission. Le titre a changé, mais l'émission est sensiblement la même chose que c'était pour Zoom Appalaches, mais dorénavant, ça s'appelle « Sous un autre angle ». Et pour ce soir, notre première invitée est Mme Annie Rodrigue. Bonsoir, Mme Rodrigue. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter, Mme Rodrigue, puis après ça, je vais vous bombarder de questions. Parfait. Donc, je me présente. Donc, Annie Rodrigue, je suis une artiste professionnelle qui habite à East Broughton, donc je connais assez bien la région. Puis, aussi, je suis une ancienne enseignante en art plastique de la polyvalente ici à Thetford. Mme Rodrigue, depuis... malheureusement, je devrais dire 2 ans, parce qu'on a été vraiment retardé par la pandémie. Vous avez instauré avec Mme Françoise Blanchette un programme qui s'appelle les couleurs unifiées. Oui. Expliquez-nous un peu c'est quoi les couleurs unifiées. Oui, donc nos couleurs unifiées, c'est un projet qui est... On cherchait un projet qui était rassembleur pour toute la MRC. Donc, c'est ce projet-là qui est sorti de nos réflexions. C'est un projet... qui se veut une reproduction de la carte géographique de la MRC des Appalaches. Donc, on va dans chacune des paroisses, dans chacune des municipalités de la MRC des Appalaches, on fait un atelier d'un soir et tous les citoyens qui aiment leur municipalité, qui aiment les arts ou qui ont envie d'explorer quelque chose de nouveau sont invités à venir peindre une fresque collective. Donc là, on travaille sur du plexiglas, puis la pièce sur laquelle ils travaillent, c'est une reproduction vraiment physique de l'espace de leur territoire sur la carte. Donc des fois, il y en a qui sont plus rectangulaires, il y en a qui ont des formes vraiment particulières. Puis après, on va prendre les reproductions puis refaire une grosse carte à partir de toute l'œuvre faite par les citoyens, en fait, de la MRC des Appalaches. Il y a une bonne participation à date? Oui, on a beaucoup d'ateliers de fait, mais comme vous avez dit tout à l'heure, on a été retardé à cause de la COVID. Ça fait un bout de temps que c'est commencé. Donc là, on vient de reprendre. On a 4 ateliers de refait depuis que la COVID depuis nous 2019, a permis. Oui, en fait. C'est ça. Non, mais là, maintenant, il nous en reste seulement 5 à faire. Donc, on a le plus gros du projet est fait, là. Vous avez eu des promoteurs, dont, entre autres, la MRC, oui. Avec le Fonds culturel. Oui, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a la TVCRA aussi, il y a la SADC, puis il y a aussi la Société nationale des Québécois et Québécoises de la région de Thetford. Ça, c'est ce qui nous fait, qui permet qu'on fasse aussi un documentaire avec ça. Parce que... Dans le projet aussi, on a réussi à aller chercher M. Armand Vaillancourt, qui reste, mais il y a quand même encore une ferme dans la région, mais c'est qui est natif de Black Lake, puis il n'y avait aucune œuvre de lui sur le territoire. Donc, on est allé le chercher pour faire des sculptures. Chacune des reproductions du territoire qu'on fait faire aux municipalités vont rester aux municipalités et ils seront soutenus par un socle d'Armand Vaillancourt. Puis la grosse reproduction qu'on va faire comme un patchwork de tout ce que les citoyens ont fait sera aussi soutenue par un gros socle plus géant là, d'Armand Vaillancourt. Ça, c'est une question qui m'achale un peu. Oui. C'est la peinture est faite sur des plexiglas, oui, qui vont être exposés à l'extérieur. Non, ben les plexiglas des municipalités vont les laisser à l'intérieur. C'est un autre procédé là, qui va être pour la structure extérieure. Okay, là, ça va être quoi le procédé? Là, ça reste encore... On va faire comme des tests avec quelqu'un qui va nous faire... Une compagnie qui va nous faire les impressions là-dessus, là. Mais il m'avait proposé quelque chose. Puis en tout cas, on a comme 2-3 essais à faire, là, pour voir qu'est-ce qui va être le mieux. Puis ça prend quelque chose qui va être... qui va perdurer dans le temps aussi. Ouais, là. Ben, c'est ça. Mais ça sera pas les plexiglas parce que c'est travaillé à l'acrylique. Fait que c'est mieux à l'intérieur. Tandis que l'autre, ça va être quand même une reproduction. Tu sais, la manière de faire coller... Ça va être beaucoup plus permanent, beaucoup plus solide que juste un acrylique qui glisse sur le plexiglas. L'endroit, es-tu déterminé? Pas déterminé encore. Ça va... la MRC qui vont décider là, probablement où est-ce qu'il la veut. Puis d'aller chercher M. Vaillancourt, ça, c'est oui. Une idée de Françoise et de vous? Bien, c'est que Françoise m'a
On cherchait quelqu'un pour soutenir ça. T'sais, ça prenait quelqu'un qui était capable de faire des sculptures ou quelque chose qui allait maintenir surtout la grosse. C'était surtout ça notre défi. Puis là, François en a lâché à la blague presque. Ça nous prendrait Armand Vaillancourt parce que on l'adore les deux. Moi, je l'ai étudié en histoire de l'art à l'université. Armand Vaillancourt, je connaissais son travail et tout ça. Fait que ça m'a comme allumé une petite cloche. Puis moi, j'adore les défis. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est pourquoi pas lui demander? Fait que comme à la cachette de France-Anne, j'ai écrit à Armand Vaillancourt pour lui parler du projet. Il m'a répondu tout de suite, puis il m'a dit de l'appeler. Fait que je l'ai appelé, puis là, j'y ai parlé du projet, comment que c'est important pour nous autres, qu'on travaillait avec les citoyens. Il aime beaucoup les projets citoyens, lui, que c'est Et qui... surtout que c'était dans sa place natale. Exactement. Donc, il a été tout de suite emballé par le projet, puis il a dit oui tout de suite. Donc, c'est ça. Je m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils veulent, mais je me disais, si on essaie rien, on n'a rien. Puis Mais ça a fonctionné. ça va être exposé à Black Lake. Est-ce que la ville de Thetford collabore un peu là-dedans? Parce que là, ça va être sur une place publique, je présume. Oui, ça va être sur une place publique, mais on ne sait pas encore où, là. C'est pas nous qui vont, c'est pas nous qui va, moi, France-Anne, qui va déterminer où est la sculpture. T'sais, c'est un projet qui a été accepté par la MRC des Appalaches. Donc, c'est la MRC qui rassemble toutes les maires qui vont décider probablement de l'endroit où. Alors Je ça, sais c'est pas pas. Non, déterminé c'est pas encore. déterminé. Mais tu sais, le fait que le projet a été mis sur pause à cause de la pandémie aussi fait qu'on reprend nos ateliers, mais les pourparlers pour tout ça sont à veille Ouais. de Là, reprendre. il vous reste combien de municipalités à visiter? Il nous en reste cinq. Cinq. Oui, donc il reste Saint-Praxède le 21 septembre, la ville de Disraeli le 22 septembre, Saint-Joseph de Coleraine le 28 septembre, Saint-Jacques-de-Lise le 29 et Tête-Fort-Mince, on n'a pas encore tout à fait la confirmation, là, mais ça devrait être début octobre. Là. Mais c'est les mardis et mercredis qu'on a déterminé pour OK, faire ces vous faites deux ateliers-là. jours Donc, semaine. deux soirs par semaine. Ça commence à 7 h. Puis normalement, 8 h 30, là, c'est terminé, là. Ça dépend toujours du nombre de participants. Oui, ça dépend du nombre de participants, mais tu sais, ça va quand même assez bien, là. Ça... Mais quand il y a beaucoup de participants, compte tenu que le plexi a quand même une grandeur limitée, Oui. il y en a qui doivent faire juste un trait. Bien, c'est qu'on les fait alterner. OK. Justement, de toute façon, à cause de De la la grandeur, COVID, ouais. on ne peut pas non Ah plus faire oui, c'est vrai. travailler tout le monde trop proche. Donc, on a fait séparer la forme de leur territoire en deux parties, puis on les met chacun, t'sais, un à côté de l'autre, mais qui respectent aussi les normes de distanciation sociale. Puis, chacun travaille sur une partie. Puis après ça, ils vont se rasseoir, quelqu'un d'autre s'en vient. Puis après ça, il faut aussi qu'ils aillent travailler sur l'autre pour que ça devienne vraiment une œuvre collective, là. C'est pas quelqu'un qui va faire une grosse partie, là. C'est vraiment des petites parties. On arrête, on y retourne. Fait que c'est vraiment, vraiment collectif. Puis ceux qui n'auront jamais peint, aussi le fait que ça soit sur du plexiglas, là, c'est vraiment facile. C'est pas comme sur une toile. Ça, Non. la peinture s'applique vraiment super bien. Puis ça va donner une belle luminosité aussi. C'est transparent, le plexiglas, là. Avec le fait qu'elle va être sur une structure de bois, elle va avoir l'air plus d'une sculpture en tant que telle, l'œuvre, qu'une peinture au mur. Donc, tu sais, j'espère que les municipalités vont la placer dans un endroit où on va voir percer la lumière, un peu style vitrail. Puis, Ah, c'est bon, c'est. mais la structure de bois, c'est fourni aussi, ça? C'est Armand Vaillancourt qui va la faire, oui, pour Fait qu'il chacune va des faire municipalités. 19 structures de bois, Exactement. plus La grosse la qui va. grosse structure Oui. qui va réunir avec une méthode de reproduction de ce qui a été fait. C'est ça. Fait que lui, il a déjà toute la structure, là, des formes de chacune des municipalités qu'on lui a données. Puis là, il a travaillé dessus, là, depuis qu'on lui a donné le Ben, projet, probablement là. qu'il va avoir fini avant que vous ayez fini. Probablement, là, on est à veille d'aller le voir puis d'aller y emporter quelques-unes. Alors, c'est très intéressant. Le coût total du projet, l'avez-vous calculé ou vous avez Ça, des limites? Vous avez. oui, on est limité, puis c'est dur à respecter aussi ce budget-là parce qu'il était, il, t'sais, il a grossi parce qu'on est allé se rechercher des partenaires en cours de route, mais avec encore à cause de la COVID, ça nous a fait recommencer le travail à plusieurs reprises. Puis, mais le coût du projet, c'était, il me semble, dans les 60 000, peut-être là, au départ, puis après ça, il a été rebonifié. Est-ce qu'il y a d'autres commanditaires qui peuvent s'ajouter?
Possiblement, oui. C'est ce qu'on espère pour pouvoir grossir parce qu'on a déjà en tête une suite à ce projet-là aussi. Donc, c'est certain que si on trouve des commanditaires qui pourraient nous aider à poursuivre le projet dans sa phase 2, ça serait super. Puis la phase 2, elle est secrète Elle est encore. secrète, oui. Alors, ça va nous donner une bonne occasion de se revoir. Oui. Alors, merci beaucoup. C'est certain qu'on aurait pu en jaser beaucoup plus longtemps, mais on va se reprendre avec la phase 2. Bon, parfait. Alors, Madame Annie, merci, puis bonne chance dans ce qui reste à faire. Mais merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est les couleurs unifiées. Vous allez pouvoir le voir sur la télé communautaire d'ici peu. D'ici peut-être, on prendra pas de chance, on va dire en 2000, début 2022, ça va vous être présenté. Alors, en espérant que vous ayez le plaisir de le regarder et aussi d'aller voir le montage qui va être fait à Black Lake et dans chacune des municipalités. Alors, on se revoit après la pause. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, on est de retour. Pour la deuxième partie de l'émission, je rencontre Madame Geneviève Clavet-Roy. On va discuter de quelques sujets concernant le tourisme et les loisirs dans la MRC des Appalaches. On va parler de Rafale de plaisir, de Mon défi et du chemin Saint-Jacques. Alors, sans plus tarder, Madame Clavet-Roy, je vous prie de vous présenter. Merci, Ghislain. Alors, mon nom est Geneviève Clavet-Roy. Je suis conseillère en communication pour Tourisme Région de Thetford. D'accord. Puis, comme conseillère, vous faites quoi au juste? Ah, ben les tâches sont assez variées. Ça peut être beaucoup là, de la promotion de la région, mettre en avant ses attraits, ses restaurants, les hébergements, les beaux paysages aussi. Tout ce qui fait que la région est unique puis que les gens veulent venir nous visiter. Donc, c'est mon travail. Puis, je le fais via les plateformes, les sites web, réseaux sociaux, blogs, des choses comme ça, là. Donc, c'est essentiellement mon travail. D'accord. Est-ce que vous êtes seule comme conseillère au niveau du tourisme? Au niveau des communication touristique, oui, je suis la seule dans ce poste-là, mais il y a des conseillères au niveau du développement touristique, il y a des agents d'accueil aussi pour répondre aux visiteurs qui viennent au bureau touristique pour poser des questions. Il y a une personne à l'administration aussi, toute une équipe au niveau de l'événementiel aussi. Fait qu'on est une belle équipe. Elle représente combien de personnel environ? Ah, si on compte toute l'équipe touristique, on est une douzaine de personnes, là, douzaine de personnes. Si on compte à l'année, là, avec les étudiants, Et tout tout ça. le monde au kiosque touristique. Oui, on est une belle gang, effectivement. Rafale de plaisir. Qu'est-ce que vous dites de ça en communication? Rafale de plaisir, en fait, c'est la suite de Tempête de plaisir. Ça a été au mois de mars. Il y a beaucoup d'activités possibles de faire dans la région en hiver. Bon, là, on parle d'hiver, même si on est en automne, mais bon, il y avait le ski de fond, le ski alpin, la raquette, tout ça. Donc, nous, on voulait un peu comme chapeauter tout ça sous un vocable unique, puis faire la promotion de ça, puis créer des activités avec ça. Donc, on a créé Tempête de plaisir, puis on est allé faire des activités pour rencontrer les gens directement sur les sites de plein air. Fait que là, on s'est dit, cet automne, on pourrait refaire un peu la même chose, mais appeler ça différemment parce qu'il n'y a pas de tempête, évidemment, en automne. Donc, on appelait ça Rafale de plaisir. Puis, c'est encore un peu le même principe. On veut chapeauter les activités qui est possible de faire à l'automne. On peut courir, on peut grimper, on peut marcher, profiter des belles couleurs d'automne. Fait que dans cette promotion-là, si on veut, c'est surtout un véhicule promotionnel. Il y avait trois activités principales qui étaient, bon, le marathon qui est passé, qui était en fin de semaine. Puis il y a deux autres activités, là, donc on va parler peut-être un peu plus, là, le chemin de Saint-Jacques et le Mont-Défi. OK. Alors, le Mont-Défi, c'est... Bon, le Mont-Défi, c'est une activité, ça fait déjà 4 ou 5 ans, là, exactement, il faudrait que je revérifie, mais ça fait plusieurs éditions. Au départ, le Mont-Défi, c'était d'inviter les gens à découvrir les montagnes qui est possible de grimper dans la région de Thetford en une seule journée. C'était quand même un bon défi. Il y en a combien de Ben, il y montagnes? en a plusieurs, mais on en avait choisi trois principalement, soit les trois plus hautes, le Mont Adstock, 715 mètres, le Mont Grand Monde, qui est à 608 mètres, et le Mont Caribou, 558. J'espère que ma mémoire ne m'a pas trompée, mais bon, c'est les trois plus hautes montagnes de la MRC. Puis on disait aux gens, c'est une belle occasion de les découvrir, mais en plus, on rajoute un défi sportif. Les gens devaient les monter, les trois dans la même journée. Les gens étaient chronométrés, puis les meilleurs temps avaient des prix au bout de la ligne. Bon,
quand même, le transport entre les montagnes n'était pas compté, là, c'était pas le but de faire des excès de vitesse, mais du point de départ de la montagne au sommet, le temps était chronométré. L'activité était beaucoup appréciée, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était limité peut-être à une partie de la population. Les petites familles, ils pouvaient quand même le faire, mais bon, c'était plus difficile pour eux. Puis l'année passée est arrivée la fameuse pandémie qu'on connaît. Donc, il a fallu tout repenser la façon de faire. Donc, on pouvait pas faire d'événement en tant que tel, d'inviter toutes les gens en une seule journée. Fait qu'on a dit, prenez tout le mois de septembre pour monter la montagne. Et prenez-vous en photo au sommet des montagnes, envoyez-nous les photos, puis on va vous remettre une médaille par la suite. Donc, cette année, c'est essentiellement la même chose. Les gens ont tout le mois de septembre pour monter les trois montagnes. Il y a des affiches au sommet où les gens doivent se prendre en photo juste à côté des affiches, puis nous envoient les photos par la suite. Mais il y a une journée culminante, cela on l'a rajouté par rapport à l'année dernière, c'est le 25 septembre. C'est une journée où, là, si les gens le veulent, ils peuvent faire les trois montagnes le 25 septembre. Il va y avoir de l'animation dans chacune des trois, ça va être festif. Donc, on invite les gens là, à venir nous voir à ce moment-là. Les animateurs vont être là seulement qu'une journée, je comprends bien. C'est ça exactement. Là, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des animateurs à tous les jours du mois de septembre, mais le 25 septembre, les Trois Montagnes, il va y avoir l'équipe. Le Mont Caribou, c'est à quel endroit? Le Mont Caribou fait partie du sentier pédestre des Trois Monts. OK. Donc, c'est la partie qui est plus vers Vimy Ridge. Peut-être ajouter un détail, là, c'est qu'il n'y a pas de tarif pour s'inscrire cette année au Mont Défi. Par contre, les gens doivent débourser le tarif pour rentrer sur les sites des montagnes. C'est entre 5 et 10 $ là, disons, là, par montagne pour monter jusqu'en haut. Donc, les gens doivent débourser. Pour le Morne aussi? Oui, le Morne aussi. C'est nouveau, un tarif pour le Morne? Ça fait quelques années déjà, mais je vous dirais que cette année, là, ils ont chapeauté, ils ont refait des travaux sur la montagne. Donc, je pense qu'ils ont pris un peu plus en main, disons, la gestion de la montagne. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, là, mais... C'est probablement l'équipe de Deltaplan qui s'occupe de ça pour financer leur plateforme en haut. Il faudrait vérifier directement avec eux, mais d'après moi, c'est la municipalité qui ça, c'est dans Sainte-Clotilde? Sainte-Clotilde et Attitoc. La montagne est comme à cheval sur les deux municipalités, mais la bâtisse d'accueil en bas est à Sainte-Clotilde, donc c'est la municipalité de Sainte-Clotilde qui gère ce bout-là. Et puis, le chemin Saint-Jacques, déjà depuis des années... Exactement. Bien, le chemin de Saint-Jacques, en tant que tel, c'est un parcours de marche longue durée qu'on peut marcher à tout moment. Donc, on part avec son sac à dos, on réserve ses hébergements, puis on marche comme ça. C'est 250 km qui peuvent être parcourus dans la MRC. Mais depuis 4 ans, on organise à chaque année une marche sur un tronçon du parcours. On a fait Pontbriand-Kennersmill, Kennersmill-Leeds, Leeds-Saint-Pierre, et là, on est rendu à faire Saint-Pierre-East-Broughton. Donc, la marche a lieu le 18 septembre prochain. Il est trop tard pour s'inscrire, par contre, en ligne, mais les gens peuvent arriver le matin même à la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton pour s'inscrire. C'est 20 $ sur place, sauf qu'il n'y aura pas de lunch à ce moment-là. Il faut comprendre que le temps de préparer les lunchs, on devait mettre une date limite pour l'inscription en ligne. Fait que les gens vont pouvoir quand même profiter du transport en autobus pour revenir au point de départ. Ah, OK. Mais c'est vraiment une belle activité. Les gens rencontrent des gens qui ont la passion de la marche aussi. Puis les paysages sont tellement beaux à cette période-là de l'année que c'est une belle façon de faire découvrir la région. Le chemin de Saint-Jacques aussi. Quand il y a des longues marches comme ça, est-ce qu'il y a un système pour aider peut-être une personne qui se blesserait, une entorse? Nous, on a l'équipe touristique là, est sur place là, pour le départ, pour les inscriptions, tout ça aussi. Et pendant que les gens marchent, on fait des navettes aussi là, pour s'assurer que tout le monde est correct. À chaque année, il y a quelques personnes qui ne sont pas capables de terminer le parcours. C'est quand même... cette année, ça va être un petit parcours, c'est 13,5, mais on a déjà eu 18 km. Donc, c'est quand même des bons tronçons à marcher. Puis, il y a des gens qui peuvent avoir des blessures, une ampoule, quelque chose comme ça, qui fait qu'ils ne peuvent pas continuer le parcours. Donc, on est là pour les aider si jamais il y a quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Puis le retour à partir d'East-Broughton jusqu'au retour, ça se fait en autobus. Mais en fait, pour revenir jusqu'à Saint-Pierre, les gens reprennent leur voiture à ce moment-là. C'est ça. Pour revenir.
Est-ce qu'il y a d'autres projets pour l'hiver qui s'en vient? Les motoneiges, les VTT? C'est sûr qu'on est, on sait pas trop ce qui s'en vient avec, avec la pandémie et tout ça, mais normalement, nous, on devrait être ouverts tout l'hiver et le bureau d'information touristique, c'est un lieu qui est idéal pour les gens qui veulent faire la motoneige parce que la piste passe juste à côté. On a un grand stationnement. Sur les heures d'ouverture du bureau, ils ont accès à un micro-ondes, la salle de bain, donc plein de petites facilité okay, pour les motoneigistes. Oui. Ben, en fait, pas l'hiver passé parce qu'on était, on a dû fermer le bureau, mais une saison normale, habituellement, là, les gens puis, peuvent utiliser. Au niveau touristique cette année dans la région, est-ce que ça a été... Oui, ça a été une bonne saison. On a eu un record, record d'achalandage. On a eu plus de gens que l'année passée, qui déjà, ça avait été une très bonne saison. Ce qu'on remarque, c'est surtout au niveau de la provenance de la clientèle. Normalement, je vous dirais que peut-être 15 à 20 de la clientèle est, provient de l'extérieur, soit Ontario, États-Unis, tout ça. Puis cette année, bien évidemment, ça a été pratiquement nul à ce point de vue-là. On a eu nos premiers visiteurs américains au début septembre. Okay. On n'avait pas eu du tout depuis, depuis un an et demi. Là, fait que ça vraiment... on a eu une belle saison. En ce qui concerne KB3, est-ce que l'Office de tourisme est impliqué ou c'est seulement que le musée qui s'en occupe? C'est seulement le musée qui s'en occupe. Nous, on aide, en fait, le KB3, mais tous les attraits touristiques de la région aussi, on peut aider en partageant du contenu. On peut aller visiter les attraits aussi. C'est un service que j'offre, là, d'aller visiter les attraits, prendre des photos, écrire des articles ensuite pour générer du contenu sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vrai aussi pour le KB3, c'est le genre de service que l'on fait, là. Fait qu'on on est impliqué dans ça. Où on peut aider pour la promotion. C'est un peu notre rôle, la mission de l'Office de tourisme. Mais ils sont très, très bien capables de s'organiser. Je ne suis pas inquiète. Ouais. Mais Mme Tavet, je vous remercie de votre présence et des explications que vous nous apportez. Mesdames, Messieurs, rafale de plaisir, mon défi, chemin Saint-Jacques, trois éléments intéressants que vous pouvez faire. Pour des informations, ben vous vous gênez pas, vous appelez Mme Tlaverois qui va répondre à vos questions. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.